Les familles qui nous écoutent, n'hésitez pas à demander à votre secrétariat d'école de l'aide. On a de la place et je le réitère, on va toujours étirer notre élastique pour un jeune ou pour une famille qui est dans le besoin. Dans peu de temps, des dizaines de familles tenteront de trouver une solution pour que leurs enfants se dirigeant au primaire puissent avoir l'équipement nécessaire à temps pour la rentrée. De nouveau cette année, le service d'aide aux familles d'Estriaide demande la collaboration de la population afin d'aider ces familles dans le besoin. Parce qu'il nous manque des papiers collants, il nous manque des highlighters, il nous manque des duotangs, il nous manque des tabliers, il nous manque des choses comme ça. Alors, une couple de 1 000 $, on devrait être capable de s'en tirer, parce qu'à date, on en a reçu une couple de 1 000. Alors, règle générale, avec 5 à 6 000, on peut accommoder là, quelque chose comme... Ça coûte environ 70 $ par enfant. Alors, ça veut dire qu'on peut en accommoder beaucoup. Estriaide est un organisme caritatif ayant comme mission de donner sans rien attendre en retour, et ce, toute l'année. En plus d'offrir son support pour le matériel scolaire aux jeunes du primaire, l'organisme propose aux familles moins bien nanties des demandes de dons. Nous, on aide à l'année longue. On est ouvert 6 jours par semaine. On est au front des besoins. Alors, ces gens-là peuvent venir ici de ce temps-là acheter du linge le jeudi, habiller un enfant, ça coûte 6,5 piastres. Et s'ils ne peuvent pas, on leur donne gratuitement. Alors, il suffit qu'ils nous fassent une demande, qu'ils viennent nous rencontrer au niveau du linge, au niveau des meubles, au niveau des biens de la maison. On peut les aider tout à fait gratuitement. On donne à plus de 500 familles par année. Natacha Lavigne pour EstriePlus.com.